Bonjour à toutes et à tous, ici Aishotix. Aujourd'hui, on se retrouve sur la bêta de Call of Duty Black Ops 3. On est actuellement en live et on va tout simplement découvrir cette bêta. Je crois que le son est trop fort à part ça, quand je regarde dans les menus. On va vite fait baisser ça, qu'est-ce que je fais? Et du coup, tout simplement, on va tester cette bêta. On va se faire une ou deux games en vidéo. Et puis, moi, de mon côté, je vais continuer le stream. C'est où le son? Donc voilà, oui, effectivement, le son est super fort. Mais voilà, on va tester tout ça. J'ai travaillé ce matin là, j'ai hâte de tester tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est. Ah, attends, c'était peut-être là que j'avais vu. Je sais plus. Bref, en gros, je suis sur le compte à mon frère, tout ça. Ça sert à rien d'ajouter, hein, parce que je ne vais pas accepter les personnes sur ce compte. Quoique, je verrai en fait. Vu que c'est pas mon compte, en fait, justement, j'en ai rien à foutre. Du coup, on verra. Du coup, ça c'est de la domination, ce sera peut-être une seule game, on verra en fonction si ça join ou pas. Donc c'est bon, on va commencer une game, pas commencer. Enfin, on tombe dans un accueil. On va aller sur Evac, testons ça. Donc voilà, on est niveau 1, on a quelques points parce que mon frère a testé le jeu ce matin. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez bien évidemment vu la photo que j'ai mis ce matin sur Twitter, que mon frère m'a envoyé. Si vous ne suivez pas, bah tant pis, vous ne verrez pas cette photo. C'est pas de chance. Et du coup voilà. Alors il n'y a aucune classe qui a été faite parce que c'était pas possible je crois. Actuellement c'est toujours pas possible je crois. J'ai 0 jeton, donc il y a effectivement les tokens. J'en parlais avec un pote et il me parlait des tokens. Et en fait il y a des tokens finalement, comme Black Ops 2. Alors salut, moi BO3 veut pas marcher, il me dit que la bêta est pas disponible. Alors est-ce que tu as une clé déjà pour commencer? Parce que si tu as une clé, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ah oui, je sais. Bah oui, c'est pas compliqué. En fait, l'activation du code, je pense que c'est ça ton problème, c'est que toi, tu es en train de l'activer sur la console. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller sur le site de Call of Duty, sous activation de code, tu te connectes à ton PSN sur le site d'Activision et à partir de là, il va te générer un code que tu pourras utiliser pour la PS4 ou autrement, ça va directement te télécharger sur la PS4. Il me semble que c'est surtout ça qui va se faire, ça va se télécharger automatiquement. Ok, alors là on tombe. Le son est pas trop fort, très bien. Alors attendez, ah, trop stylé. Oh, il y a le jump, oh là là, attendez. Attendez, parce que déjà c'est le maître de PS4. Comment ça ping de 85, t'es sérieux? La barre de connexion. Et franchement, c'est trop du foutage de gueule. Il y a un système de ping, non mais please quoi. Bref, c'est rigolo. Alors du coup, attendez, on va augmenter le son parce qu'on a baissé un petit peu. On va baisser s'il faut, on va augmenter tout ça. On va se permettre... Attendez, parce que je connais... Ok, le son m'a l'air d'être pas mal. Dites-moi sur le chat si c'est trop fort ou non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sensibilité. C'est où celle-là? On sécurise Alpha. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai verrouillé. On a perdu. Ah. Attendez, parce que moi j'ai besoin de mon trigger stop, moi. Attendez, je vais voir si mon trigger stop Xbox One. Pas mon trigger stop, mon FPS Freaks, pour ceux qui connaissent. Je vais voir si ça passe. Au pire, je le défonce sa manette. De manière, il a plein de manettes pétées, donc. C'est en train de niquer le joystick. Hein. Oh, j'ai défoncé le joystick. Oh putain, on a perdu. Bon, du coup, voilà. J'ai. On va perdre. Plus ou moins, il est complètement défoncé son stick, hein. Mais au pire, c'est pas grave. Donc oui, est-ce qu'avec FIFA, il casse toutes les manettes. Bref, on est parti, on est chaud. Je vais essayer de jouer en clos. Je déteste cette manette pour le clos, c'est infâme la manette de PS4. Et c'est surtout une des grosses raisons du pourquoi je vais pas sur PS4. Déjà, c'est surtout à cause de la manette. Voilà, ça vous le savez. Que même si ça vaut plus la peine maintenant de... D'avoir le jeu sur. Je suis déjà en 0-3 quand même. On tente de courir sur le mur. Rapace ennemi en approche. D'accord. Je me suis dit que c'était simple. Je me suis. Ah d'accord. Bon. C'est. Ok, c'est un peu bizarre le gameplay. Je pensais que ça allait me faire directement un jump et tout. Mais en fait, pas du tout. Il faut vraiment attendre sur le. Faut vraiment appuyer sur le joystick. Et... Je pensais que ça allait directement faire un jump comme sur la 201, mais pas du tout. Bienvenue à toi, Mélan. Alors, ça fait genre professionnel et tout. De quoi, comment ça? Voilà un code bêta cadeau pour les potes. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Oh putain, mais c'est horrible, je voulais dasher. Oh mais c'est horrible. On a le gameplay d'Advanced Warfare dans les mains. Bon déjà, je joue plus beaucoup à Advanced Warfare, mais j'ai quand même le gameplay entre les mains. Quand vous avez l'habitude de dasher directement en sautant, c'est horrible. Bon, j'ai pas trop envie de voir le score, mais je suis probablement en 0,5 je crois.
On va essayer de faire un petit kill, je suis avec l'AK-47 là, ARK-7. D'accord, je suis en James Bond, super. Super, super. Alors montre le skill du snipe. Oh, calmons-nous. Oh, on peut... Attends, attends. C'est bon, on peut aller plus vite, attends. Mon premier kill, mon... Mon premier kill, mon gars. Par contre, c'est compliqué. Hein. Ah, clairement, là... Les fameux double triangle, effectivement, je confirme qu'ils y sont. Ah, mais par contre, le... Ah ouais, mais c'est vraiment compliqué, hein. Franchement, si je suis... Ok. Très, très... Oula, il a fait une quad. Ok. Non, franchement, je suis... Il change. Le gameplay, franchement, rien à voir. Après, je pense pas que le saut sera si utile que ça. À part pour les déplacements, genre quand vous voulez grimper sur un toit plus rapidement. Et ben vous arrivez, vous faites ça et vous jumpez un peu plus haut. Mais franchement, cette mécanique de gameplay, regardez, là si je monte en haut, je fais ça. Mais ce sera... Oh, niveau 2. On passe pas niveau 2 si rapidement, hein. Je le répète, hein, j'ai déjà des points sur ce sur le compte. Mais ouais, du coup... On sécurise Alpha. Ouais, cette mécanique de gameplay sera, je pense, pas très utilisée. En tout cas, moi, je pense pas que je l'utilise beaucoup. Oui, Amazon m'a envoyé un code, j'ai mis sur... Ah oui, donc si tu as dit que t'étais inscrit, ça veut dire que normalement, regarde sur ta console, normalement, il a dû se télécharger automatiquement. J'ai pas pu voir le téléchargement, moi, par contre, parce que j'étais au travail. Mais mon frère l'a téléchargé. C'est 15 Go la bêta, si jamais. Par contre, c'est vraiment compliqué. Hein. On va perdre, je pense que c'est peut-être aussi l'arme et tout. J'ai trouvé des excuses, c'est un peu compliqué, mais... Il y en a un, mais non. Juste à gauche, là. Ah, je voulais dasher. On sécurise, bravo. Oh, nage. Attends, est-ce que je suis stun? Attendez, je veux nager. Comment on nage? Là, on nage. On nage automatiquement. Ok. Alors là j'ai mon spécialiste qui est fonctionnel. Je sais pas quelle touche faut appuyer. Merde, non, ça c'est une grenade. Ça c'est une autre grenade. Comment on fait? C'est quelle touche? Comment c'est quelle touche? Bon, alors je sais pas du tout c'est quelle touche. Va falloir que si jamais sur le chat vous le savez. Dites-moi c'est quelle touche. Comme ça, je vais pouvoir, pouvoir jeter un coup d'œil. C'est pas du tout comment on fait. J'ai regardé après les options, si jamais. Regardez quelle est la touche pour activer les... le système. Ça va exploser. Alors. Alors, les deux gâchettes, je crois. Ah. Ah, oui, peut-être, oui. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est quoi objectif. Armure. Ah. Drone ennemi repéré. Bon, bah, il est vite parti. Hein. Ok, bon, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai... Ah, mais le fait de jumper, ça sert vraiment à rien, hein, clairement. Oh, j'ai l'arc. Non, c'est un drone. J'ai cru que j'avais le fameux arc, la fameuse arc. Un arc. Alpha. Donc le fameux arc. Du spécialiste, en fait, pas du tout. C'était mon kill streak. Et par contre, les stuns sont violents. Hein. Alors là, clairement, ça me fait penser aux stuns d'Advanced Warfare. Donc logiquement les tokens on devrait les débloquer après chaque niveau, logiquement si c'est comme Black Ops 2. Mais vraiment si j'ai pas de viseur moi. Foutu hein. J'ai pas de viseur moi. Mais bon après il y a aussi le changement de console. Hein. Je ne joue jamais à la PS4. Encore une fois à cause de la manette, franchement la manette. Mais bon. Drone ennemi en approche. Donc oui, pour les gens qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément vu et qui ne suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, je fais un petit concours pour des clés bêta Xbox One. Vu que probablement j'en ferai gagner 2 ou 3 de clés, je pense. Là, je commence à prendre le gameplay en main. Petit shoot, tout ça.
Mais oui, du coup, n'hésitez pas à aller sur Twitter, les gens, sur la vidéo. Si j'oublie pas, je mettrai le lien dans la description. Mais au pire, vous allez dans ma dernière vidéo auquel que j'ai... Ah oui. Ah, je vais tester les double jump, attendez. Système défensif en service. Ah, ça sert à rien, en fait, le double jump. On va perdre Alpha. Parce qu'au finalement... Ouais, on monte aussi haut si on fait double... En fait, ça sert à rien, le double jump. Ah, mais moi, je veux dash, sorry. Ouais, le double jump sert à rien parce qu'on va aussi haut que si on fait un seul jump. Donc bon, on sait maintenant. On meurt vite. Alors attends, ce que j'aimerais juste voir, donc c'est des barres de coups, il y a le ping, tout ça quand on fait pause. 52 de ping, hein, c'est juste des conneries. Hein. Bon après, c'est probablement les serveurs qui... Ouais, non, c'est ça en fait, hein. Les serveurs sont plus ou moins loin. Ça fait que mon ping augmente, mais... L'ennemi possède Alpha. Il y a du peuple. Ok, lui je l'ai pas, donc lui il sait que j'ai tiré, donc il m'attend. Pas du tout, hein. Rien à secouer, il regarde pas sa mini-carte. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais pas beaucoup ma mini-carte, forcément. Alors, le gardien, il y avait un mec, il est mort. Ah, il est là. Donc, oui, donc, ça, c'est un drone, d'accord. En fait, le logo, on dirait un arc, hein, quand même. Hein. Ah, non, on dirait le Blackbird de Black Ops 1. 2. Non, Black Ops 1. Le Blackbird. On dirait un arc aussi. Bref. Du coup, est-ce qu'on meurt vite? J'ai pas trop l'impression. Mais hier, j'ai regardé le stream de Skyrose. Et franchement, il se prenait des bullshit de ouf. Mais après, c'est parce qu'il jouait sur des serveurs européens avec une connexion de Mexicain, du coup. Il me semble que c'est surtout à cause de ça. Après, moi, actuellement, là, dans cette partie, c'est ma toute première. On va pas retenter de courir sur le mur. Et ben, je suis niveau 4. D'accord. C'est déjà plus ou moins niveau à la fin du niveau 1, mais... Attention, Hellstorm ennemi en approche. C'est comme ça, bim. Allez. Bien joué, ça. Par contre, j'ai plus le réflexe WY maintenant pour cancel les reloads. Colis stratégique ennemi dans les airs. Drone en approche. Après, les gens, si vous avez des questions par rapport à la bêta ou le jeu, n'hésitez pas. Ah mais attendez, voilà ce qui manquait. Est-ce qu'il y a des gens? Attendez, hein, est-ce que j'aime me mettre en tactique? Quoi ça? Ah, le bonhomme, il y avait un Simo. Très bien. Enfin, je pense pas que c'est le nom, mais... Commande. Tactique... Ah, pendant une fraction de seconde, j'ai vu qu'il n'y avait plus le tactique. Ah, j'allais mourir. Oh! Ah, quelqu'un final. Ah, j'ai cru que j'avais appuyé sur le joystick, j'ai cru que ça m'avait fait un... On pourrait revoir la killcam, bref, passons. Alors, tu vas commander le gros pack. Non, je ne compte pas commander le gros pack. Par contre, je l'aurai avant la sortie mondiale, le jeu. Je pourrais le streamer comme l'année passée, avant la sortie mondiale. Si tout se passe bien, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème... Parce que j'ai le jeu depuis, enfin depuis Call of Duty 5, donc depuis 2008. J'ai les jeux avant la sortie mondiale. Tous les Call of Duty, je les ai eu avant la sortie mondiale. Et je vois pas pourquoi cette année je l'aurais pas avant la sortie mondiale, tout simplement. Les jeux qui viennent de Belgique. Alors, donc, ah oui d'accord, en fait on a le logo de la RK7 quand on passe des niveaux dessus. Je pense que c'est des niveaux d'armes, je pense, logiquement. Allons voir ça. Voilà, oui, c'est ça. J'ai les niveaux d'armes. Peinture. Non, pas de peinture. D'accord, très bien. Tactique, ça c'est quoi? C'est des paras. Elle est bizarre. Okay. Assez futuriste, le style. J'ai un petit viseur réflexe. Un petit silencieux, inutile. Attends, j'ai pas compris. Ah, catégorie. Ah d'accord, j'ai lunettes et accessoires, d'accord, c'est deux trucs différents. Du coup, j'ai pris une... Non, pas le silencieux, j'ai pris une poignée ergo. Ah, je sais ce que je vais faire, je vais me faire une Manowar. Merde, prochaine game. On m'a dit que la Manowar, c'était broken. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, non, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir vu. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, on va voir.
On va voir tout ça. On va se faire une petite domination, une dernière petite game avant d'arrêter cette petite Domination. vidéo. En tout cas, actuellement, de ce que je vois après ces premières games, le jeu est franchement très joli, comme Advanced Warfare. Je le trouve beau, mais il n'y a pas, c'est pas, voilà, c'est pas resplendissant. On est sur du PS4, donc plus Sécuriser beau l'objectif. que sur de la Xbox One. Mais franchement, c'est propre, c'est coloré. Advanced Warfare était aussi très coloré, et ça, c'est cool. On Oh, nice! sécurise Alpha. C'est les viseurs. Ah, L'ennemi j'ai pas pris le possède point! C. Ok. On Ah, c'est sécurise Bravo. 50 points, ça c'est nul. C'est pas les 200 Ah, points comme on purée. avait auparavant. Mais oui, d'accord. Ah, on est en 3v3. D'accord. Mais oui, je sais plus ce que je disais. Ah oui, il y a ça. Ah, ça prend la moitié du dash, ça. Ok. Intéressant. On fait un truc comme ça. Ouais, du coup, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Mais oui, de ce que j'ai vu pour le moment au niveau du jeu. Ah oui, il est beau, il est très joli. Il est coloré comparé. Bah, avec Advanced Warfare, c'est les deux jeux les plus colorés, les plus beaux des Call of, il me semble, si je me trompe pas. Mais oui, après, faut voir ce que ça va donner. Si est-ce que toutes les cours sont comme ça. Là, j'ai 50, j'ai 30, 30, 40 de ping, mais. Moi en soi j'ai ouais entre 5 et 10 de ping maximum, j'ai 200 mégas donc là ça on a l'air d'être à plus ou moins loin. Les coups elles ont l'air d'être correctes pour le moment, je tue pas trop vite, je meurs pas trop vite non plus, mais après faut pas juger ça sur une seule game parce que là de ce que je comprends À priver. De ce que je comprends, le jeu bah, ne sera pas avec du serveur dédié, tout simplement. Toujours un système avec avec des connexions. Donc après, faut voir. En tout cas, si on joue contre avec des Européens, etc., il y aura toujours les mêmes problèmes que les Espagnols et les gens qui sont des pays de l'Est. Franchement, s'il y a des problèmes, ça m'étonne pas. Je pense que c'est même logique. Hein, sur Counter-Strike, j'ai moins de problèmes avec ça. Moi encore ça va parce que j'ai la fibre du coup vu que j'ai une énorme connexion et eh ben ça fait que j'ai une bonne connexion à plus longue distance. Enfin je sais pas si je me fais comprendre mais bref tout ça pour dire que je pense qu'il y aura toujours des problèmes de coûts du coup. Mais après actuellement là les coûts elles ont l'air d'être correctes mais je tombe pas rapidement. Voilà. Donc après j'ai un health temps, c'est cool. Oh le pré-shoot, c'est beau. Ah le respawn était là-bas. On est toujours 3v3, c'est un peu nul, on va se coucher, on va se mettre le Hellstorm. Alors. Hellstorm demandé sur ma cible. Ok, on le booste là. Ok, d'accord. On met le drone. Très bien. Très bien, très bien. Lancement d'un drone autorisé. Alors, Manowar, oui, comme sur Counter-Strike, Xari. Comme sur Counter-Strike. Il y a une arme qui s'appelle Manowar. Alors, prends le deuxième fusil d'assaut. Il est top, tu vois. Oui, effectivement, le deuxième fusil d'assaut, c'est la Manowar, justement. On va se faire un petit plongeon. On va perdre Charlie. Où on nage. Ah, c'est comme ça. Drone ennemi en approche. Franchement, c'est propre, hein. Attention, drone ennemi en approche. Je vais mourir dans l'eau, mais. Moi, je trouve ça joli. Déjà, dans l'eau, c'est joli. Bon, après, on va perdre Bravo. On peut tirer dans l'eau aussi. Comment il m'a vu? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il faisait, celui-là, depuis tout à l'heure? Heureusement qu'il avait un sale shoot, mais. L'ennemi possède B. Partir d'ici. Ah! Oh! Oh! Le passe. Oh! Oh, trop stylé! Le petit passage secret. Ah, j'aime bien. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un petit coup de brain par là. C'est cool. Alors, yo, Dark Ops 2, comment ça va? B verrouillé. Ouais, franchement, j'aime bien le gameplay. Après. Je pense pas trop, hein. J'ai fait qu'une game. Actuellement, c'est plutôt cool. Mais après, même pour Advanced Warfare, hein, j'ai beaucoup aimé le début parce que c'était une nouvelle sorte de gameplay. Bon, là, c'est pas spécialement nouveau, mais la fusion du gameplay un petit coup Advanced Warfare, un petit coup classique, ça, un jeu beaucoup plus à terre, etc. Et ben, ça fait que ça change. On n'a jamais eu ça. Du coup, j'apprécie parce qu'il y a du changement. Mais est-ce qu'à long terme on va aimer? Je ne sais pas. Tout ce qui est sûr c'est que le jeu est beaucoup plus à terre, ça me plaît déjà beaucoup plus par rapport à ça. Et que après à voir avec les armes etc. Mais de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal d'armes qui ont l'air d'être intéressantes. J'ai l'impression que toutes les armes font mal. Donc je sais pas.
Mais c'est en même temps. Alors, Adax, c'est un fusil d'assaut sur CS, c'est le skin de Sniper. Oui, oui, je sais. C'est le skin de la WAP, la Manowar, effectivement. Kuba Gaming, salut à toi, comment ça va? Le mec, il est tiki-kill en train de courir sur le mur, tout ça. Faut y aller, hein. Ouais, je suis pas trop chaud pour faire ça, moi, pour le moment, mais... C'est fort, fort intéressant. Bon, on est en 2v3, c'est pas ouf, hein. Mais bon, comme ça. Donc je suis à 25 points de mon autre kill streak. Score streak du coup, effectivement, c'est plus des kill streak. Je suis à 25 points. L'ennemi possède Alpha. Ah non, bah pas du tout. D'accord, je pensais, mais c'est de mon drone. On va se mettre le drone. Donc, la minimap, elle est toujours en 16/9e. Ah, ils ont aussi un drone. Comment ils tournent ? La minimap sera toujours en 16/9e. Mettre le shield, on met le shield et on y va pour profiter. Oh, j'ai le Hellstorm, oh, vite vite vite, faut que je le mette maintenant. Comme on boost, vite la boost. Je vais me suicider. Attends, je vais m'avancer comme ça et je le fais péter maintenant. Comme ça je me suicide pas. Le spawn est ici normalement. Retournage, ça fait un petit effet, donc ouais, pourquoi pas. Plutôt sympa. Le spawn est censé être par là. Je sais pas trop ce que ça a donné. Ils sont combien? Toujours 2v3. Ah, pas de Charlie. D'accord. En fait, à moi tout seul, j'ai fait changer les spawns. Vous auriez peut-être prendre. On a perdu C. Et ouais, mon pote. Ça a pas bougé à droite. C'était forcément à gauche. On sécurise Charlie. Alors, tu prends des abos après? Ouais, je pense que finalement je vais prendre des abos, oui, pourquoi pas. C'est des gens sur PS4. Oh, c'est quoi? Rapace. Attends, à se mettre derrière, on va voir ce que c'est. Du coup, oui. Ah, je suis déçu. C'est un truc qui me suit. Attends, j'ai contrôlé le rapace. Juste voir, histoire de check-in une première fois. Ah. D'accord. En fait, c'est y a un truc comme ça sur Advanced Warfare qui est un peu le même principe. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais il y a un truc dans le genre. C'est un petit kill. Ah mais il est sous la mini. Ça fait mal. Vite, faut que je tue quelqu'un d'autre pour confirmer. Ah non, en fait, j'avais eu un bon coup en fait sur le moment, je pense. Là on a la vie, hein, juste en haut à droite du mini truc. Voilà, le mec va défoncer. Ok, donc je suis un peu déçu, je pensais que c'était un mitrailleur tout ça, mais pas du tout. En même temps, ça coûte pas énormément de points, donc j'ai entendu un dash ou je me suis gouré? Eh non, j'ai bien entendu le petit dash, mon gars. Cible touchée. Le petit dash assez sneaky là, un petit truc qui fait pas beaucoup de bruit. Mais j'ai un casque, faut pas l'oublier. Donc je l'ai entendu. Petit headshot. Bon, j'ai envie de courir un peu sur les murs, j'ai envie de tester un peu cette mécanique. Alors attendez. Donc là on court, on arrive ici. Ok. Bien, j'ai envie de tester un truc. Est-ce que ça recharge en courant sur les murs? On teste des choses, hein, de toute manière, on peut se permettre. On est là pour tenter des choses. On est là pour découvrir le gameplay. Une bêta, ça sert à ça, de découvrir le gameplay. Mais ouais, en tout cas, voir un petit peu pour la suite. On a perdu, bravo. Pas trop, je peux pas trop m'avancer sur mes propos. Mais, du drone estimé à 50%. À sécuriser. En tout cas, déjà, premièrement, j'ai hâte de le toucher sur Xbox One, clairement. On sécurise, bravo. Ça va déjà me changer par rapport à la manette. Parce que là, ça me fait mal aux doigts de jouer en clos. Mon index me fait mal. Parce que c'est vraiment pas agréable de jouer, comme ça. Vu qu'en fait c'est tout plat au niveau des touches. Enfin, c'est un peu... C'est pas adapté aux personnes qui jouent au clos. Et si je devais passer sur PS4, je pense que j'achèterais une méta palette. Quelque chose dans le genre. Mais bon, sur Xbox One j'ai pas du tout... pas du tout nécessaire. Pas besoin d'acheter méta palette pour jouer. Hein.
C'est vraiment optionnel ça. Peut-être sur. C'est quoi? Putain, je suis trop tard. Je voulais voir de dehors c'était quoi. On dirait des petits bombardements. Chaque vaisseau était calé une bombe et ça tombe au fur et à mesure. On sécurise Charlie. Bienvenue à toi, Homs 923. Yo Joe la poule, comment ça va? Yo Sabou, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Donc oui, envoyez-moi un message les gens. Terminator 119944. Vous m'envoyez un message. En fait, je sais pas comment ça se passe. J'allais dire, vous m'envoyez un message et je vous invite derrière, mais en fait, je sais pas du tout comment ça se passe sur PS4. On va voir ça. On va voir ça. Envoyez-moi un message déjà. Et puis, pour que je regarde votre pseudo. Et je vais voir si je peux vous inviter, etc. Bon, on était en 2v2 finalement. J'ai quand même fait un 23-6 pour cette deuxième game. Donc, c'est plutôt cool. J'ai très mal commencé avec un 0-7 pour la toute première game. Mais plutôt intéressant. Franchement, plutôt intéressant à voir un petit peu par la suite. Qu'est-ce que ça va donner. Je sais que je me répète pas mal pour le coup. Mais j'ai pas trop envie de dire que ce jeu sera bien ou pas. Parce que je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois. J'ai dit que Ghost était bien à sa sortie, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Du coup, quittons le salon. En tout cas les gens, pour cette vidéo qui popera ce soir sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Je vais voir si... Ouais, non, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Probablement du League of Legends, du Counter-Strike. Je sais pas encore ce qui va venir. Mais sachez que des petits gameplays arriveront d'autres jeux. Hein, forcément, comme vous le savez, je fais différents jeux actuellement. Et puis sur ce, mais il y aura probablement encore pas mal de Call of, je pense, qui va venir sur ma chaîne. Je vais revenir gentiment, surtout que les streams dès que Call of va sortir. J'ai pris un petit 24h live non-stop, tout ça, à la sortie du jeu. Bref, on en reparlera plus tard sur ma chaîne YouTube pour dans une future mise à jour. Mais bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse et je vous dis ciao.